Il y en a deux. Tiens, non, je vais te rebuff. Tu peux me rebuff aussi. S'il te plaît. Célesta au cas où. Hop là. Va falloir. Ah, tu chantes La La Land. C'est vrai qu'on en a dit un peu La La Land. Ah, peut-être, ouais. Très bon film ceci. Tu l'as vu ou pas ton style, donc bon. Non, j'ai pas vu. J'ai quand même la musique dans la tête. En même temps, la musique. Enfin, le film est excellent. On l'a vu deux fois, je crois, deux ou trois fois. Moi, j'ai dû le voir trois ou quatre fois même. Attends, c'est chouette. Pour le coup, c'est quand même. Moi, j'aime pas du tout les comédies musicales de base. C'est vrai que là, j'ai quand même bien kiffé. Ça m'en fait chier, moi. D'un coup, ils se mettent à chanter, ça me casse les couilles. Mais là, tout est basé sur la musique, donc. Bah, comme dans les comédies musicales en général. Ouais, mais Disney, ils se mettent à chanter d'un coup, c'est vraiment quoi. Non, mais c'est pas Disney, c'est pas des comédies musicales. Ouais, t'as raison, c'est juste. Regarder chanter sur la chanson sur la pluie. Oh, c'est vieux ça. Ah ouais, c'est une comédie musicale. Oh, ça doit être bien. C'est pour ça là, ce qui est cool quand si on a bel et bien la part du château, on pourra vraiment. Parce que là, un des trucs qu'on pouvait faire par exemple à. Ça, c'est toi encore. Hein? T'as looté. Ah oui. Mais le mob est mort. Je me fais quand même engueuler même si le mob est mort. Non mais moi j'avais pas fini. Ouais, donc je disais un des trucs qu'on faisait à Bandol, c'est pour ça qu'on avait. D'une certaine manière, on avait plus de place à Bandol qu'ici. On va dire sur l'organisation générale du bazar. Et c'est vrai que bah, les LAN, d'avoir les gens à la maison pour les accueillir, c'est quand même cool, quoi. Là, je sais par exemple Pookie, s'il peut venir avec Dia, donc avec Aokta, et surtout Lilith, ça sera aussi plus simple pour faire des LAN un peu plus stylés, que ce soit sur les jeux de plateau ou autre, quoi. On va avoir plus de place, plus de. Vraiment pouvoir bien accueillir les gens, qu'ils aient une chambre, qu'ils aient un bon lit, qu'ils aient un bureau pour jouer, enfin. Puis bon, nous on a deux chiens, donc Diane elle a un chien, un plus gros chien, très adorable, hein, mais plus gros chien et bruyant surtout. Désolé hein, Diane t'es là, mais bon, Lilith je l'aime, mais elle est quand même très bruyante. Mais c'est pas un souci quand on a la place, un chien bruyant. Un chien bruyant gentil, ça me dérange pas quand on n'est pas les uns sur les autres. Alors, je pense qu'elle est bruyante parce qu'il y a d'autres chiens. Sinon, Sûrement, oui, ça c'est, j'en doute pas. Mais à la fin elle est bruyante quoi. Elle aboie. Un chien. C'est juste que nos chiens, c'est pas les vrais chiens. On a l'habitude d'entendre des chiens aboyer parce que les nôtres aboient pas, c'est juste ça. Je sais pas, après, c'est que moi j'ai grandi avec des chiens, ils aboyaient pas des masses. Mon bobtail aboyait, mais le labrador pas des masses. Il y a des races qui sont beaucoup plus expressives, genre par exemple les bergers australiens, les huskies aussi, c'est des chiens qui aboient beaucoup. Ah bah tiens, non, ça leur passe dessus. Ok, ça c'est le 14e, ensuite c'est le répandeur de peste. Mais donc ouais, dans tous les cas, que ce soit le... Si c'est au château, j'espère, si c'est pas là, ça sera ailleurs. Vraiment hâte d'avoir mon chez moi, quoi. Avec de la place, et les possibilités d'événements cool. Ça va être cool. Alors, ok, on a fini avec des écumeurs à la tâte, maintenant on va les catapulter les répandeurs de peste. C'est globalement des ghouls. On bute de la gougoule. Pourquoi il est sur moi, lui? Donc là, on attend que les répandeurs de peste y ripop. Il y en a plein là-bas, visiblement. Vu le nombre de cadavres, il y en a un paquet ici. Juste avant qu'ils reviennent à la vie. Ouais, tranquille le pexing là. Et ensuite, on pourra aller à Stormwind, tu sais, pour valider nos points niveau 30. Et je pense qu'on fera la fin. Hop. Allez, ripoper les petits. Les pitiots. J'aime bien l'ambiance de l'Arkshire. Chez Jelly? Non. Ah ben voilà. Sache que j'aime beaucoup. Cette petite musique. Putain, pourquoi je l'ai en tête maintenant? Parce que je l'ai dit. Chier, Lucas, tu casses les couilles. Hein. Putain, t'as même pas vu le film, quoi, t'es naze.
Chip PPR. C'est con. Hein. C'est con. Ton. Est-ce qu'il y a des... Là, c'est les mangeurs de cervelle. C'est quand même assez sympa. Ça, on risque rien. Mais elle est drôle. Non, c'est pas ce qu'on veut. Ah, ça, c'est ce qu'on veut. Là, c'est le meilleur. Bah, écoute, tant mieux, c'est le bon mob. Parce que Pookie, il sait pas, mais on va le kidnapper hein, quand on aura la place. Vivre dans un château, c'est magnifique pour le petit Pookie qui n'a pas la pneumonie. Tu combien ce qu'on kidnappe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux avancer dans Gloomhaven et dans Osworn? C'est pour ça? Ah, tu fais le tour du truc et moi je te suis vraiment. T'es... Moi je cherche des mobs qui repop, hein, c'est tout. Bah attends, pose-toi, attends, ils vont arriver. Ok. Et du coup, vous avez joué un peu au jeu Witcher, Poupou? Ah ouais, bonne question. Mais je crois qu'il avait joué avec ses vrais amis, non? Oui, puis je pourrais faire les photos pour mon Insta. Ok, c'est terminé. Ah, toute Milan, bonne soirée. Non mais en vrai, Pookie, des petites vacances au château. Il y a une piscine. Hey, il y a un terrain de tennis. Genre, tu vas me dire, tu kifferais pas. Ouais, c'est super cool. Ouais, genre, il m'a même pas invité pour jouer. Ah putain, le bâtard. Mais c'est vrai, hein, parce qu'au final, parce que t'es pas son vrai ami, je te rappelle. Ah, hein. Je fais pas partie de ses vrais. Non, mais il veut pas mélanger les torchons et les serviettes, tu sais. Salut Zilek, bonsoir à toi. Bah si, j'ai dit que je voulais te kidnapper. Cette phrase est géniale. Kidnappez-moi. Oui. Mais on kidnappe Diane aussi, non? Et Lilith, on est d'accord qu'il y a Diane et Lilith dans le package. Oh, ça me va très bien. Vraiment ravi pour toi à ce niveau-là, d'ailleurs. Soyez en passant. Il est où ton château? Château de l'Ermitage à Saint-Dié. Saint-Dié des Vosges. Non, mais Azelos, il est jamais chez lui. Bah, alors ça dépend. Est-ce que chez nous, c'est une extension de chez lui? Si c'est le cas, il est toujours chez lui. Ça dépend comment on voit les choses. Ça dépend si là où je suis c'est chez moi, je suis toujours chez moi. Ouais. C'est beau. Il est jamais dans sa maison secondaire. Ah bah d'ailleurs. À partir du 22 là. Ah, j'ai eu le bouquin moi, que t'avais eu. C'est ouais. Pour ça qu'à chaque fois il me dit non. Ça fait deux fois qu'il me partir du 22 pour 3 jours, puis un truc qui sort. Non, je sais qu'on va peut-être pas le revoir tout de suite, Azelos. On le reverra pour la phase 3, sûrement. Ou alors, si on fait un jeu de plateau. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la phase 3, d'ailleurs? Non, ne te méprends pas. Moi, je parlais du fait que, est-ce qu'on l'a fait à la maison, la phase 3? Ouais, putain, je trouvais ça trop mignon. Je sais. J'aurais dû laisser là-dessus. Et c'est la phase 4 qui vous intéresse, surtout. Ah, c'est la phase 4, ok. Et la phase 4, c'est une bonne question, par contre, pour le coup. Parce qu'on n'aura pas encore la part du château, là. Non mais la phase 3 c'est cet été? Non, la phase 3 c'est en mai. C'est tous les 3 mois après. C'est en mai, donc la phase 4 sera très certainement fin juillet début août. Au plus tard mi-août pour la phase 4. Donc qui est la phase où là le ça va être bon. On va avoir quelques activités quoi. Il va y avoir 2-3 trucs, 2-3 donjons à faire parce que là globalement bon, la phase 2 niveau max. On va faire du Uldaman, on va faire du PVP, on va faire tout ça, voilà. Mais à part avec les rerolls, on va... Après, les quêtes, c'est vrai que les quêtes vont être cool quand même. Les grosses quêtes élites, ça va être quand même très très fun. Bref, on va faire 2-3 trucs sympas. Phase 3, c'est vrai que ça va être déjà fat en termes de contenu possible. Phase 4, c'est tout le endgame pour le coup. Parce que même si je fais partie des gens et je continuerai à défendre ça jusqu'au bout, je trouve ça débile de dire qu'un jeu commence niveau 60. Factuellement, niveau 60, c'est le endgame. Et il y a beaucoup. Il y a pas mal de trucs à faire, quoi. Il en reste plus qu'un, Nat. Calme-toi, il va popper.
Donc ouais, phase 4, je sais pas. Ça va beaucoup dépendre des cryptos, en vrai. Ça va pas mal dépendre des cryptos. Mais ouais, si tout est au beau fixe de mon côté, je pense qu'on... De toute façon, dans tous les cas, faut qu'on bouge, donc... Enfin, moi, je reste pas à Célestat cet été, hein. Ça, c'est une fois pas deux. Alors, est-ce qu'on va en Pologne? Ça va dépendre aussi des copains, ce qu'on veut faire pour la phase 4. Non, mais après, les copains, au pire, là, on l'a fait à distance. Hein. Ils pas les couilles, les copains. Les copains, ils ont chaud chez eux, et puis voilà. Ah, les vénères, là. Ouais. Alors, je pense pas que Lucas soit contre venir en Pologne. Hein. Non, mais ça, oui, parce que Lucas, il est pas chiant. Pookie, vient en Pologne. On lui fait une place dans la voiture, il vient. C'est vrai que voilà. Cet été, en plus, en termes de voiture, on aura le V6, donc il est content, il sera bien à l'arrière. S'il vient avec toi comme ça, puis il peut venir. Et il aura les bibous avec lui. Et par contre, tu devras t'occuper de faire des câlins aux bibous. Ouais. Oh. Ça sera ton boulot d'assistant de trajet, voilà. Faire des câlins aux bibous. Et soit dit en passant, t'auras peut-être Bibounette qui te bavera dessus. Hein. C'est vrai qu'elle bave par contre, Bibounette, ouais. Un petit XS Arena pour la phase 4. Allez. Il y a même plus. Je sais même pas s'il y a encore des cyber. Attends, Cybercafé Strasbourg. Si, on avait un d'ailleurs. Ça serait drôle, mais je pense que ça nous ferait vite chier. Il y a moyen. Ah, sauf si on le privatise. Ça serait marrant de se faire. Sauf si on le privatise. Ouais, mais tu privatises pas un mois, quoi. Après, il faut savoir En vrai, quitte à privatiser, autant se louer une belle baraque et... C'est ça. On fait d'habitude. Ok. Allez dans le nord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ah, ça va être stylé, hein. Ok, ouais, c'est plutôt cool. Ça. Oh, c'est pour ça, on verra pour une maison. C'est là où ça serait bien que Pookie. Serait bien que Pookie soit ouvert à bouger un peu, quoi. Après, on a fait la phase 2 sans lui, on peut faire la phase 3 avec 400 lui. Phase 3, oui, phase 4, c'est quand même. C'est un gros truc. Tu t'en rends pas compte, c'est normal, t'as pas le. Oui, mais je veux dire. Effectivement, ça serait. On l'a pris la quête de Morgaline Pookie. D'avoir Pookie avec nous. Oui. Mais on pourra toujours jouer s'il n'est pas là, quoi. Bien, mais évidemment. Ah ben, tu croyais que j'avais pas joué parce qu'il n'était pas là? Bah, c'est ça. Ah, rien à foutre de Pookie. Jouer avec lui. Ah, rien à foutre de Pookie. Physiquement. C'est mieux s'il est là, c'est toujours plus fun. C'est dans le sens où, par exemple, s'il a trouvé un boulot entre temps. Non, mais on peut arrêter les conneries, par contre, avec ça. Bon, voilà. Voilà. Tu les as fait? C'est quoi cette histoire de Dark Rider là? J'arrête pas de voir ça dans le chat. C'est la rune. Je sais pas c'est quoi la rune. Pour une rune, bah, c'est une rune où tu dois tuer 7 Dark Rider. C'est des mobs qu'il faut trouver, que tu peux trouver que si t'as le bijou de la quête. C'est ça qu'ils faisaient mes fils, ils sont 40 élites et quelques, et c'est des nouveaux mobs? 41 élites, ouais, c'est des... Ok. C'est des mobs SED. La phase 3, c'est quand? 4, fin juillet, début août. En plein quand il va faire chaud. Donc dans tous les cas, qu'on soit en Pologne, qu'on soit en France, on n'est pas à Célestat. Oui. Même si on est à 10 km de Célestat, hein. on est dans une maison climatisée. Les dates à peu près, toi, tu penses partir de quand à quand? Alors moi, j'aimerais bien partir à moi. Après, oui, ceux qui nous accompagnent peuvent partir à moi. Je te demande bah, 15 juillet, 15 août. Est-ce que je voudrais regarder les Airbnb? Ouais. En Pologne? Bah de toute façon, on avait vu avec eux à Cracovie, hein, qu'est-ce qu'on voulait. Ou sur d'autres sites aussi. Ah, ça après, c'est de polonais peut-être. C'est pour ça que je te demande les dates. Et ben, globalement, du 15 juillet au 15 août. Mai 17 août, parce qu'on viendra pas le 15 août ici, c'est de l'enfer. Ouais. Sinon, on va faire le chasse et croisé juilletiste aussi. Non, c'est le 31. C'est ça. C'est entre les deux mois en fait. Ah, bien. C'est pas le 15 août. C'est le 31 juillet. J'y connais rien. C'est toi la pro de BFM. Hein. C'est toi la pro de BFM. Le bébé de BFM. On a 15 000 quêtes à rendre à Darkshire. Bah ça va faire passer 30. Eh bah c'est cool. Et Pookie, il est 40 ou toujours pas là? Toujours pas. Oui, j'ai une case, blablabla. Bla bla. Il a toujours pas fait son carreau là? Ah mais c'est infernal là. Hein. Je regardais un peu sur Airbnb, tiens, qu'est-ce qu'il y a pour ça. Il manque une case, pas Pookie. Moi je la trouve drôle cette blague. Non mais je suis sur un pigeon, mais j'en peux plus. Sur un pigeon. Attends, destination. Je regarde juste en Alsace, ok? Pour la curiosité. Alors, ça serait donc... Pour les terres ingrates. Ah oui! Pour la suite. Donc, j'ai vu Pookie, un mec qui recherchait pour la quête de Misraël. Et c'est une quête 50. C'est trop stylé. Hein. Donc, c'est la suite. Et la suite, donc, était à Tel Durin l'Égaré à. Dans les terres ingrates, justement.
Ah, elle va être trop stylée à faire cette quête. Je pense qu'on va se faire déboîter la gueule, ça va être trop bien. Après, on peut regarder vers genre vers Baden-Baden. On peut. Tiens, Pookie, je pense que ça lui est envisageable, ça. C'est vrai que ça a un petit un Allemagne, ça pourrait être cool. Je regarde juste là pour la curiosité en Alsace. Hop. Alors, voyageur, on serait donc. Si avec Pookie Diane, on serait 5. C'est ça? Oui, ça, c'est un groupe de 5. Et 3 bibous. Dans 2 heures, j'aime bien quand elle regarde pour la curiosité. Dans 2 heures, là, ça n'a rien. C'est fou, c'est pas mon genre. Je regarde. Tiens, c'est pas cher. Hein. N'oubliez pas, faut diviser, les gars. Hein, c'est avant de regarder les prix. Bon, c'est chez Chum. Oh, un petit chalet. Y a pas un filtre, pas Chum? Ce serait bien ça. Bah, généralement, ça s'appelle le filtre luxe, mais généralement, tu rajoutes un 0 à chacune des locations. Et on passe de tout à fait honorable côté prix à ah mon dieu, il faut que je vende un. C'est plus compliqué. Ah, et ben, en vrai, ouais, Baden-Baden, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Ça me changerait un peu. On ira en Allemagne un peu. De toute façon, je peux le faire en. Je sais pas si c'est clair. En bougeant ma caméra, le truc. Ah, attends, on est ici. Baden-Baden, ça doit être ici. Alors. Tu veux te mettre en suivre sur moi? Oh, c'est trop mignon, c'est elle qui le propose pour une fois, ça fait plaisir. Alors, oh putain, 15 000 euros, bah voilà. Est-ce que c'est joli au moins, tiens, 15 000 balles pour le mois. 15 000 balles. Ouais, ça pique, hein. C'est sympa, mais c'est pas... Ça vaut pas 15 000 balles. Non, clairement. C'est peut-être très grand, quoi, je suppose. C'est où? Ah, oh putain, je... Mais c'est en Alsace? C'est en Allemagne. En Allemagne. Ouais. Ah, c'est... attends, il y a une promo. C'était 22 700 le mois, on passe à 13 700. Promotion incroyable. Alors, c'est... en vrai, non, elle est pas mal la baraque, hein, mais ils ont craqué. Alors, ceci dit, attends, tu prends 15 000 balles. Non, en vrai, c'est pas cher. Et ce n'est pas une blague. Admettons, il y a 6 chambres, 12 lits, ok. Admettons que tu sois bel et bien, genre, à 12 personnes. Il y a 12 lits, donc 12 personnes. T'es à 13, ça te fait un peu plus de 1000 balles. Par personne pour un mois complet, c'est pas énorme. Pour un mois, non. Pour un mois complet, c'est pas du tout énorme, les Parce gars. Parce que c'est ce qui peut te coûter pour 2 semaines dans le sud. C'est ça. Donc, pour le coup, ce n'est pas si cher. Sauf que là. Faut partir à 12. Nous, on part à 5. Voilà, bon. C'est. Mais, c'est pour ça que avant de. Tu vois, là-bas, après, il y a un truc à 2000. Ah non, ah, mais attends, mais les lits. Ah oui, si, bon, j'ai mis ça. Bon, on va valider les quêtes alors. On va. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on a le temps de valider les quêtes pour qu'il sera pas 40, et j'ai le temps de regarder, de louer un truc pour qu'il sera pas 40. Ce qui est pour un plaisir de vous rencontrer. Alors. Ah ouais, c'est cool ça, c'est la quête, yes. Ah, c'est des sacs 12 places. T'as un sac 12 ? Non, 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 regarde bien. Pour l'alliance. C'est giberne. Une giberne, c'est pour mettre des balles. Uniquement oh, des balles. Bah, je m'en fous, ça. Un carquois, c'est pour les flèches. Eh, oh, elle est futée. Les flèches. Franchement, j'ai trouvé ça drôle. Ah, niveau 30 GG. On se voit plus tard. Ouais, y a pas de fly au Badland. Oui. Et j'en ai pas vu non plus à Gorge et Vent Brûlant. Dans l'Alliance. Si, y en a un. Ah. Attends, je confonds les régions. Ah si, je le vois, si, t'as raison, je le voyais pas avant. L'Anyride, ouais. Celui qui est en haut à gauche. Yep. Ouais, ah, Kargat, y a pas Kargat, hein. Kargat répare, Kargat remplace. Je l'ai déjà ce fight d'ailleurs. Ah putain. Salutations. Que la journée soit bonne. D'ailleurs, j'ai même le fly, comment elle s'appelle, les terres gelées, là, en haut à droite de... Ah, le Longuet, berceau de l'hiver. T'as été au berceau de l'hiver? J'ai le truc qui tipait, là. J'ai le truc de Gnomeragas. Ah ça un tu l'as gagné. Vous l'avez fait au round, non? Ou en tout cas dans le genre. Ouais, on l'a tous round dessus. Et ça t'a amené au berceau de l'hiver? Ouais, ça m'a tapé au berceau de l'hiver. Mais dans la ville ou dans la région perdue? Non, sur un bord de falaise, du coup, je suis mort. Je me suis retrouvé face à des ours tête dehors. Et du coup, j'ai raisé au cimetière, je me suis dit, bon, genre, ça vaut le coup, j'en profite. Ça vaut clairement le coup, effectivement, prendre le fly. Ça, c'est le fly. Mais oui, je pense que ça te TP à des endroits là. Un plaisir de vous. Tu rigoles. Pour qui kifferait ce truc? Ah, ça. Je pense qu'entre un nouvel arc et ça, il hésiterait.
Le choix serait dur. Vous avez besoin de quelque chose. On se voit plus tard. On se voit plus tard. Besoin d'aide ? Prenez soin de vous. Allez dans le nord. Prends bien tout ton temps, hein, y a rien. Et c'est pas du tout du troll, hein. Salut, ça, j'ai... Moi j'ai déjà fait les quêtes, donc là... Ok. Impeccable. Je vais mettre sur le fly pour Stormwind. On a une fois que tout va aider ici, on a une quête à aider à Stormwind. Ceux qui demandent de l'aide, je sais pas si tu te rappelles, pour combattre Morgan Felt. Alors, attends, on reprend sur Baden-Baden, on regarde un petit peu. C'est une escroquerie ton truc. Alors, Crip, je sais pas si c'est quand la dernière fois que t'as pris des longues vacances, si t'as pu te le permettre au niveau boulot, je ne sais quoi. Mais 1000 euros pour ton logement pour un mois complet, en vacances. Soit je suis vraiment déconnecté de la réalité. Faut que tu divises par le nombre de nuitées. Ça fait 30. Oui, ça fait 30 euros la nuit. Ça fait 33 euros la nuit. C'est ça ? 33 fois 30 ? 35 euros la nuit. Si je suis pas trop nul en maths. 35 fois 30. Parce que les gens, en fait, ils s'arrêtent au 1000. Ça, ça fait du 35 euros la nuit. Je crois que factuellement, un Formule 1, c'est plus cher. Prix d'une nuit Formule 1. Combien coûte une Formule 1 ? Non. Oh, putain. Bon, prix d'une nuit Ibis. Voilà, Ibis budget, donc c'est la version base du Ibis, c'est 53 euros la nuit. Donc je confirme que c'est pas cher. Salut Roland Batata, c'est plus dans l'état la prochaine fois. Mais donc ouais, cet été, phase 4, après ce qui serait bien, c'est qu'on ait la date exacte. Ça, c'est vrai que ça serait pas mal. Là. Ah, t'as l'écho ? Bah oui. Même pas tu vas y aller à la quête ? Ouais, c'est pas grave, je vais aller.